On se retrouve aujourd'hui pour une séance abdominaux. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans belle et rebelle. Pour cet entraînement, on va faire deux séries d'exercices et chacun des exercices sera réalisé pendant 20 secondes suivi de 20 secondes de récupération pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. Un petit coucou à mes abonnés fidèles et si vous ne l'êtes pas encore, pensez à le faire et surtout, cliquez sur la petite cloche, elle vous permet d'être informé de la sortie de chacune de mes vidéos par une notification. Un rapide mot aussi sur la méthode AquaActive dont je suis la fondatrice. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds du dos. La particularité de cette méthode, c'est qu'elle se fait entièrement dans l'eau. Je vous rassure, pas besoin de savoir nager, on ne met jamais la tête sous l'eau. Et on garde les deux pieds au sol. Je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo, soyez curieuse, allez voir. En attendant, on est là pour faire des abdominaux. Allez, c'est parti. Allez, on y va pour ces 20 premières secondes d'abdominaux. Couchez sur le dos, les deux mains derrière la tête et vous allez simplement remonter les épaules de manière dynamique. Gardez les deux pieds au sol. La difficulté en travaillant les abdominaux, c'est qu'il ne faut jamais bloquer sa respiration. Même si c'est difficile, on respire continuellement avec le ventre. Très bien, 20 secondes de récupération. Soignez bien cette phase de repos, elle sera très importante pour aller au bout de la séance. Allez, c'est parti pour le deuxième exercice. Même position et vous allez relever les épaules et venir toucher à tour de rôle, un pied après l'autre avec vos mains. Très bien, soufflez bien pendant vos 20 secondes. Détendez vos abdominaux et étirez-vous si vous ressentez le besoin. Allez, on repart sur des abdominaux droits, même position. Cette fois-ci, vous relevez les jambes. Vous pouvez mettre les mains croisées sur la poitrine, ce qui évite de tirer sur la nuque et vous remontez les épaules. Ce qui est important aussi dans les abdominaux, c'est de toujours trouver des micro-phases de récupération. Ne restez pas 100% en tension. Très très bien, relâchez-vous pendant vos 20 secondes. Soufflez bien, détendez-vous. Allez, même position et cette fois-ci, avec les deux bras, vous allez venir une fois toucher à droite, une fois toucher à gauche. On travaille bien la ceinture abdominale au niveau oblique. C'est très très bien. Vous connaissez maintenant la série. Allez, on va repartir après nos 20 secondes de récupération pour une deuxième boucle. Je vous rappelle qu'il est très important de soigner sa phase de récupération pour pouvoir enchaîner les abdominaux. Allez, on repart pour le premier exercice. Les pieds au sol, les deux mains derrière la tête. Vous pouvez aussi mettre les mains sur la poitrine. Et avec du rythme, on relève les épaules. Super, soufflez bien. On se concentre. Si c'est difficile, regardez le chronomètre. Mais accrochez-vous et restez avec moi. On va aller au bout ensemble. C'est vraiment super ce que vous faites. Allez, c'est parti pour le deuxième. À tour de rôle, on vient toucher les pieds avec les mains. Une fois à droite, une fois à gauche. Le haut du corps reste relevé. Soufflez bien, on arrive bientôt au bout, il ne nous reste que deux exercices. Alors accrochez-vous, allez, allez!
allonge ses jambes à 45 degrés et c'est parti. Allez, je sais que c'est dur, tenez le coup, restez avec moi. Allez, 20 secondes de pause avant le tout dernier exercice. C'est pas maintenant qu'on va lâcher. Je vous félicite encore une fois. C'est une très très belle séance. Allez, il nous reste 20 secondes. C'est parti. Allez, deux mains ensemble vont chercher une fois à droite, une fois à gauche. Vous aurez des abdominaux en béton et un dos hyper solide. C'est parfait ce que vous faites. C'est vraiment super, bravo à vous. Bravo, encore une très bonne séance de fête, je vous félicite. Dites-moi dans la zone de commentaires juste en dessous si vous avez aimé cette séance et si vous avez ressenti le travail sur les abdominaux. S'il vous reste encore de l'énergie, alors vous pouvez enchaîner par cette séance. Elle complétera parfaitement bien celle que vous venez de faire. Et si c'est la fin du sport pour aujourd'hui, pensez à finir avec vos étirements quotidiens. Abonnez-vous et partagez cette chaîne au maximum autour de vous, mais surtout, restez belle et rebelle. Je vous dis à très vite, bye bye.